à tous, c'est Pixobar pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve donc sur Farming Simulator 2015 pour une présentation de mode. Donc de bon matin, comme d'habitude, il est 6h du matin, le soleil vient de se lever et Ricoré est là, l'ami du petit déjeuner. écoutez, c'est parti. Alors, j'espère qu'il va pas pleuvoir avant la fin de cette vidéo, hein, comme vous pouvez le voir tout en haut, la pluie est annoncée, mais là, le soleil et là, donc on en profite. Donc des modes. Alors vous voyez ici, tiens, ça nous saute aux yeux, un magnifique château d'eau. Je trouve qu'il s'inscrit très bien dans le décor. Je ne l'ai pas testé, mais normalement il est fonctionnel. Il suffit a priori, je pense, d'arriver à côté, de se rapprocher. On doit pouvoir récupérer de l'eau. Enfin, je sais pas en fait. Hein. Je ne l'ai pas testé du tout. Donc là, ce serait totalement une découverte. Je vois que là où il y a un point, mais je ne sais pas si on peut récupérer. Normalement, il me semble qu'on peut récupérer de l'eau. Il me semble pas que ce soit juste du décor. Bon, c'est pas très grave. Donc simplement, bah écoutez, qu'est-ce que je vais vous présenter dans ces modes? Alors les ajouts déjà du site officiel Farming. Donc ici le pack Marshall. Donc ces remorques-là, la petite était déjà présente en mode bêta. Maintenant elle est disponible directement sur le site dans les modes officiels. Donc vous avez la remorque de taille moyenne et une remorque un peu plus longue. Donc je vais vous dire d'ailleurs, pour pas vous dire de bêtises, on va retrouver ça, les tailles. Donc ici normalement elles sont dans divers si je me trompe pas. Je me trompe certainement d'ailleurs. Je les vois pas, donc elles sont pas là. Je suis bien dans les modes. Où est-ce qu'elles sont ces remorques? Elles sont pas dans l'ébène non plus. Bon, eh ben écoutez, je ne sais plus où elles sont. Où est-ce qu'elles seraient arrivées? Ah, dans les balles. Voilà. Voilà, donc vous avez une remorque de... Ah bah c'est pas indiqué. Bon ben voilà, c'est bien la peine. Je voulais aller dessus pour voir les tailles. C'est pas indiqué. Bon, tant pis. Écoutez, mais celle-ci est un peu plus longue. Je sais pas si c'est indiqué dessus. Non, c'est pas marqué dessus. Celle-ci est un peu plus longue. Là, vous avez donc une benne. Donc celle-ci, pour vous dire, elle fait la même quantité, la même capacité que la Growliner. Je l'ai marqué, mais elle est 3000 euros moins chère, quasiment. 4000 euros moins chère, entre 3 et 4000 euros moins chère. Donc plus intéressante. Donc la Growliner, celle-ci, hein, je parle. Donc vous pouvez la bâcher. Je vais... Tenez, allez, on va prendre un tracteur vite fait. On va... Voilà, il y a d'autres modes, hein, tout ça à présenter. Donc il y a du... Il y a une belle vidéo qui vous attend, j'espère. Donc, hop, voilà, on va prendre un tracteur. Je vais simplement vous la montrer, quand même, entre guillemets, en action. Alors, même si c'est pas vraiment en action, mais... Ah, alors, voilà. Je commence à avoir pas mal de modes, donc ça bouge un peu partout. Hop, voilà. J'ai pas beaucoup de place pour manœuvrer, forcément, puisque je me suis garé juste devant. Voilà, je compte dans la remorque, c'était à peu près sûr. Puisque j'ai un... important engin devant, donc enfin un cultivateur, un petit cultivateur devant. Là on va faire en marche arrière, donc très manœuvrable, beaucoup plus manœuvrable que la Growliner forcément, puisque vous êtes qu'avec un double essieu arrière. Donc un très beau mode pour commencer la partie, très pratique. Alors je pense pas que la trappe à l'arrière soit fonctionnelle, hein. Je vois qu'il y a la petite trappe pour dire d'ouvrir, hein. Je pense pas qu'elle soit fonctionnelle, ça m'étonnerait fort. Mais il y avait des modes dans le 2013 qui les rendaient fonctionnels, ces trappes. Donc je sais pas si bientôt il y aura des modes dans le 2015 qui le feront aussi. C'était très amusant parce que comme ça vous aviez juste à baisser et hop ça passait directement par la trappe, c'était pas mal. Voilà, donc un beau mode, d'ailleurs j'en ai un qui est en double. Alors donc les modes qui sont, le mode qui est en double que vous voyez juste à côté, c'est deux modes en fait, épandeur à fumier. Donc épandeur à fumier, on testera à la fin si j'ai le temps d'aller chercher du fumier et de le tester dans un champ. Là, je vais pas vous montrer ça tout de suite, on va avancer quand même sur les modes avant. Donc d'ailleurs pour commencer, donc sur ce mode là, donc vous avez un Lemken, donc pareil qui fait partie maintenant des modes sur le site officiel. Donc c'est un mode simplement très pratique que vous pouvez mettre soit à l'avant, soit à l'arrière, et sur lequel vous pouvez encore accrocher un engin derrière. Voilà, donc on va essayer, hop, on va l'accrocher à l'arrière pour changer. Voilà, donc là ça vous fait un tout petit cultivateur, hein, pas très large, mais par exemple vous pouvez accrocher un semoir derrière. Vous pouvez accrocher un semoir derrière, ce qui le rend beaucoup plus pratique. Donc forcément attaché. Alors là c'est des semoirs de 6 mètres ou 4 mètres, je sais plus, donc c'est moins évident.
Mais voilà, vous voyez, vous pouvez accrocher. Donc là, je vois si les accroches sont bien faites. Si, si, ça s'accroche pile poil dedans. Impeccable. Ok, bon voilà, donc ça c'était pour vous montrer donc ce petit mode. Et ici, donc ça c'est le mode Vedderstedt. Donc avec des ajouts de semoirs. Donc en fait, il y en a deux. Hein. C'est les deux du milieu, c'est-à-dire celui-là et celui-là. Donc qu'est-ce que ça change? Bah, c'est des petits semoirs en fait, plus petits que ceux d'origine. Vous voyez, ça c'est le semoir d'origine. Donc celui-là, si je vous dis pas de bêtises, celui-là c'est le Rapid 600S. Donc qui est pour un tracteur de 180 chevaux, qui a 4050 litres de contenance, qui fait 6 mètres et qui coûte 52 000 €. Voilà, hein, je fais tout ça de tête, hein, évidemment, hein, vous nous en comprendrez bien. Et là, à côté, on a donc le Rapid 300C, qui est beaucoup plus petit, vous voyez, c'est marqué dessus, Rapid 300C. Donc lui, il est utilisable avec un tracteur de 130 chevaux directement, donc utilisable bien avant déjà d'avoir des gros tracteurs, avec 3100 litres de contenance, donc c'est déjà pas mal. Comparer ça au premier semi qui font que 600, qui font que 3 mètres, bon là aussi celui-là fait 3 mètres, coûte 35 000 €. Donc l'avantage sur celui-là, c'est la contenance en fait, hein, c'est que vous avez une contenance beaucoup plus importante que sur les autres semoirs. Voilà, donc tout en Vedderstedt. Ici, vous avez le Vedderstedt Top Down 500. Donc le Top Down 500, là, c'est une charrue. Enfin, une charrue, un cultivateur, pardon. 19 000 €, 4,8 mètres pour un tracteur de 180 chevaux. Donc à comparer avec ici le Vedderstedt Carrière 820, ça c'est le modèle que vous aviez avant, qui là en fait coûte 47 000 €, donc beaucoup plus cher. Certes, ça fait du 8 mètres, donc c'est quasiment le double, mais là il faut un tracteur de 250 chevaux. Donc ça, c'est des modèles, on va dire des compromis, on va dire entre guillemets, c'est-à-dire que ça vous fait des modèles moins chers, alors qui font moins large, mais en tout cas qui sont moins chers. Alors est-ce qu'on peut accrocher ça derrière? Je pense pas cette fois-ci, puisque là c'est pas une prise 3 points. Donc on va laisser notre Lemken, hop, voilà, au bord. Je vais simplement prendre, oui normalement le tracteur est assez puissant parce que c'est un 190, donc normalement il fait 190 chevaux, donc il est assez puissant pour prendre, pour tirer cet engin là. Hop, voilà, je vais simplement vous montrer celui-là en action. Alors, ces modes-là sont salissables, hein, évidemment. Hein. Là, tous les modes Marshall, le Vedderstedt, le Lemken sont tous des modes salissables. Hein. Et donc je vais vous montrer ça en action. Alors ici, on va regarder ça juste après. C'est bon, c'est du fun, hein, ça. C'est pas quelque chose de réaliste du tout. Voilà, donc j'ai été un peu trop vite dans la descente. Hop, donc on va déployer le cultivateur. Donc vous voyez, il va être. Alors forcément, vous n'allez rien voir s'il y a un arbre devant. Voilà, on se rapproche. Voilà, donc c'est un tout petit, enfin tout petit, un petit cultivateur, hein, vous voyez, il est pas très large. Mais il est bien fait, forcément. Hein, ça vient du site donc officiel quasiment. Donc ça reprend les modeurs du site, hein, tout simplement. Donc c'est enfin, les modeurs du site, les créateurs du site. Enfin du site, je dis des bêtises moi. Les créateurs du jeu et donc des modes qui sont vraiment bien faits à la base. Voilà, donc on va descendre notre cultivateur. Est-ce qu'il manque quelque chose? Non. Donc c'est bon, c'est parti. Voilà. Donc, un joli mode. Joli mode. Effectivement, on peut voir en action. Hop. Hop. Un peu comme ça. Voilà, je suis en train de partir de travers, hein, tu peux voir. Voilà. Bon. Donc ça, c'était pour vous montrer. Simplement. Les modes donc qui ont été repris sur le site. Là, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça, c'est du délire, hein, comme je viens de vous dire. C'est pas du tout réaliste. Ça vous permettrait, là, si vous voulez, quasiment de faire... Alors, vous voyez, donc bug, c'est-à-dire longueur invisible, hein, sur ça. Alors... Je suis pas du tout fan, moi, à la base, hein, de ces engins-là. Comme je vous ai dit, je n'étais pas fan non plus du gros case-là, hein, qui est 10 fois trop gros. Enfin, 10 fois trop gros. Enfin, c'est pas des engins qu'on voit par ici, quoi, je veux dire. Donc, forcément, alors ça, vous verrez jamais ça. Hein, ça n'existe pas, ça. Un cultivateur comme ça. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Après, si vous voulez vous amuser sur vos parties. Donc là, vous voyez, ça va aller très vite. Je ne l'ai pas essayé, mais je pense que normalement il est fonctionnel. Hein. Alors, est-ce que
que j'oublie quelque chose, non? Voilà. Ouais, ok. Bon, il fait même pas les bouts. Ok, ok, on se demande quand même un peu à quoi ça sert. Hein. On se demande d'autant plus à quoi ça sert parce que vous allez voir quand je vais replier l'engin, ça ressemble plus à rien. Voilà, hop, ça plie le chose vraiment très bizarrement. Voilà, 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 et voilà, et voilà. Donc le mode qui sert à rien. Parce que vous pouvez pas vous déplacer avec. Bref, bon, voilà. Donc fini les conneries. Ça c'était pour vous montrer un mode qui sert à rien. Vous êtes content de l'avoir vu, j'espère. Oulala, c'est loin, c'est loin, c'est loin. J'aurais mieux fait de prendre le tracteur et d'y aller plutôt qu'à pied. Bon, c'est pas grave, on va se balader. Toujours avec ce beau beau lever de soleil, pardon, avec notre château d'eau. Ouais, j'aime bien. J'aime bien le château d'eau, franchement. Je trouve ça vraiment que ça s'inscrit vraiment bien dans le décor, là. Alors, pas spécialement ici, mais en tout cas, j'ai bien envie d'en mettre un à côté de la ferme, sur ma partie, pour aussi faire du décor. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Bah tiens, on va vous présenter ça. Une Dutz Phare 7545 RTS. Hein, donc, une grosse moissonneuse. Enfin, une grosse. Non, pas si grosse que ça, d'ailleurs. Mais j'ai l'impression que c'est un skin d'une moissonneuse dans le jeu. Donc je suis en train de m'en rendre compte à l'instant en fait. J'ai l'impression que c'est juste un skin. Bon, pourquoi pas. Après, c'est ceux qui aiment les dots hein, apprécieront. Voilà, c'était pour vous la présenter vite fait. Vraiment très vite fait. J'ai pas regardé la vue intérieure, mais bon, voilà. Si, voilà la vue intérieure. Bon, je pense que c'est un skin. Hein. Là, je suis en train de m'en rendre compte en fait à l'instant. Mais voilà, je t'ai présenté. Alors, qu'est-ce qu'on a encore en continuant ici? On a là, donc la Dutz encore. On continue dans les Dutz, la Dutz Phare toujours. Mais cette fois-ci, la Dutz du 2013. Alors, qui était peut-être dans les autres Farming Simulator, mais comme je les connais pas, je ne sais pas. Mais là, donc voilà, c'est la Dutz du 2013, la M66. Donc, pour les nostalgiques du 2013, ben, vous pouvez la retrouver. Hein, c'est fidèle. Fidèle à celle du 2013, sauf qu'il y a peut-être une différence parce qu'il me semble pas que l'avant était fait comme ça. Enfin, en tout cas, il devait y avoir une casquette à l'avant, quelque chose de différent. En tout cas, je l'ai pas reconnu de cette façon-là dans le jeu, mais bon, il faudrait que j'y retourne tout simplement pour le savoir. Voilà, donc c'est pareil, hein. Mode tout bête, vraiment comme celle du 2013. D'ailleurs, j'ai même l'impression que les textures sont un poil mieux, je sais pas. En tout cas, voilà, voilà, ça s'est présenté. Alors, un mode ici qui n'est pas encore fini, hein, clairement, quand on voit quoi, voilà, il y a des bugs, hein, vous voyez, il y a des trucs devant ici, on ne sait pas ce que c'est. Mais une marque qui n'est pas connue, Valnet, moi je ne connaissais pas, je crois que c'est un modeur espagnol sur ce modèle-là. Voilà, encore une fois, l'homme invisible est au volant, au moins comme ça, si on a un accident, eh ben, on n'est pas reconnu. Les contrôles, c'est pas extra, vous voyez, hein, y a encore pas mal de choses à faire sur ce mode là, mais bon, voilà, je l'avais téléchargé, autant vous le présenter, mais là clairement c'est un mode qui est à finir, hein, c'est assez clair, mais il y a déjà du travail en ce qui concerne la conception du modèle 3D, etc., de certaines textures, donc si c'est work in progress entre guillemets, c'est pas mal quoi. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a deux petits chenilles ici. Alors moi j'aime bien ces engins. Enfin en tout cas j'aime bien l'animation de la chenille. Là les textures c'est pareil, hein, donc c'est du vieux matos russe. On commence direct en vue intérieure. On a nos outils, notre jerrycan, voilà, hein, la boîte de clous. Hein, donc on a intérêt à rouler doucement pour pas renverser tout ça. Et voilà l'engin. C'est assez marrant quand même, je trouve. Bon, la caméra, vous voyez, est buggée, hein. C'est-à-dire que vous bougez, enfin, bizarrement par rapport à la caméra. Je sais pas ce qui fait ça. C'est le problème de ces modes-là. Mais voilà. Alors, l'animation de la chenille est assez marrante. Alors, ça épouse pas la forme du terrain, hein, mais je sais pas. Je trouve ça assez marrant quand même. Et puis là, c'est vraiment le vieux machin, quoi, qui ressemble à rien. Je sais pas ce que vous tirez avec, vous voyez, avec la grosse batterie Varta. Je trouve ça assez amusant quoi, enfin c'est des trucs, des engins qu'on a envie de laisser traîner, vous savez, au fond d'un champ. Un truc qui a jamais servi depuis 15 ans quoi. D'un seul coup on le démarre et le machin démarre encore parce que c'est des trucs incroyables. Enfin voilà. Donc le petit chenillard comme ça. Et à côté, bon, c'est la même chose, hein, tout simplement. Modèle, on va dire, allez, un tout petit peu plus récent, hein, vous voyez, il brille. Hein, mais sinon c'est le même principe. Voilà. Hop.
avec un bruit différent et un contrôle beaucoup plus rapide par contre. Hein. Les contrôles, alors caméra c'est à peu près pareil, mais alors il est beaucoup plus rapide en termes de vitesse. On a l'impression de conduire avec un aéroglisseur. Hein. Donc ceux qui trouvent déjà que Farming Simulator c'est plutôt Drift Simulator, alors là conduisez ça et vous allez voir. Hein. Voilà. Hop là, ça y est, c'est parti, on a fait un tour. Et j'ai juste donné un petit coup, hein, à peine. La vue intérieure par contre est sympa, bien faite en tout cas, enfin bien faite. Les compteurs je crois pas sont pas fonctionnels, mais je sais pas, je trouve ça amusant quoi, bien assez réaliste au niveau du petit compteur, hein. Enfin, du petit tableau de bord on va dire. Voilà, ça se coule dans tous les sens. Il y a des trucs qui bougent à l'intérieur, je sais même pas ce que c'est. C'est notre volant ça? Attendez. Ah oui, c'est notre volant ça. Alors d'accord, donc on conduit avec un guidon retourné. Allez comprendre pourquoi. Je crois que ça c'est un défaut. Hein. J'espère en tout cas, parce que celui qui arrive à conduire avec un truc pareil, quand même, il est fort. Ah, voilà, donc ça c'est présenté. Des petits engins hein, qui peuvent rajouter un peu de fun dans les parties. Alors, dans la série des vieux camions. Alors, voilà, je présente celui-là. Voilà, avec le bon bruit hein, qui va bien. Hop, un IFA, je vous avais déjà présenté un IFA je crois, mais avec modèle avec grue, là c'est modèle sans grue. Donc peut-être un peu moins pratique, mais bon pourquoi pas. Hein. Donc vous voyez, il y a des portes, hop, on ouvre. Donc système de ventilation, comme d'habitude, à la russe, hein, comme je vous ai déjà dit. Le 8, qu'est-ce que c'est le 8 Order. Order, ah d'accord, le vrai système de ventilation sur le dessus. Oh là là, magnifique. Allez, on va laisser ouvert. Vue intérieure. Oh là, oh là, oh là, alors là, encore une fois, hein, c'est du rustique, hein. On voit pas grand chose, c'est parti, je connais même pas sa pointe de vitesse à ce tracteur, enfin ce camion, 62 c'est marqué, ok, bon, pourquoi pas, voilà, on est parti, on s'y croit, bon, encore une fois, hein, la caméra est buggée, donc là je suis désolé hein, pour le moment au niveau des modes, à part les modes du site officiel, vous voyez ces modes là sont pas encore extra à cause des vues malheureusement, enfin moi je sais pas hein, ça me donne mal au cœur un peu hein, ces vues qui tangent là comme ça dès que votre camion bouge, en vue intérieure ça il n'y a pas de problème hein, mais en vue extérieure c'est très difficile à jouer. Bon voilà, donc celui là aussi. Présentation. Voilà, alors l'inertie, vous voyez, je suis descendu du véhicule, il a fait 15 mètres. Alors celui-là est pas mal, en tout cas au niveau du modèle, la couleur, les textures, c'est dommage, manque un peu de profondeur, enfin vous voyez, c'est tout uni, donc c'est dommage, et les roues sont un peu bizarres en fait. Mais sinon, au niveau des contrôles, il me semble qu'il est parfait. Bon, le bruit par contre. Ouais, la caméra c'est bien, ça bouge pas. Voilà, ça bouge pas, on peut pas dire. Hein. C'est pas un truc qui se coule dans tous les sens. Et vous avez des fonctions. Alors un bruit de moteur, on dirait un V12 le machin. Des fonctions qui sont pas mal. Alors je vous montre ça. Donc les portes, hop, voilà. Le capot. Pourquoi pas. J'ai pas essayé de conduire avec le capot ouvert. Je sais pas si on peut conduire avec le capot ouvert. Ah d'accord, alors, quand on ouvre la portière, on conduit dehors. Alors oui, alors ça c'est génial. Parce que c'est vrai qu'en réalité, vous voyez, si je roulais vraiment avec le capot ouvert, je serais obligé de conduire comme ça. Donc je trouve ça vraiment très amusant en fait. Le mec qui se met sur le pas de la porte de son camion et qui conduit ouais, la one again, avec le capot ouvert, les portes ouvertes. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vois que les compteurs sont fonctionnels. Alors si on referme la porte, est-ce qu'on rentre à l'intérieur du camion? Alors oui, alors ça... Magnifique, sauf qu'on voit plus rien forcément. Hop. Alors vous voyez, on a le... Comment on appelle ça? Le Saint-Christophe là, devant, là, sur le, la petite... Ah, j'ai même pas vu l'intérieur, mais... Ah, moi j'aime beaucoup ce mode, hein, franchement. J'aime beaucoup ce mode. Avec une accélération qui est pas trop rapide, un bruit de moteur qui est vraiment sympa. Je sais pas si vous l'entendez bien, en tout cas, mais... Enfin, sympa. Ouais, il est sympa, quoi. Je peux pas dire. Alors, et je vous ai pas tout montré. Je ne vous ai pas tout montré. Pourquoi? Alors, attendez. Bon, il y a aussi donc ça c'est le capot, j'ai fait le 4. Alors le 4 c'est, ah voilà, les petites trappes avant, vous voyez, hop là, système d'aération, des trappes avant.
Alors, une fois franchement, celui-là, je sais pas, je ne suis pas encore à jour au niveau des modes. Donc, ce que je vous montre n'est pas forcément les derniers modes sortis, mais celui-là, s'il est ressorti avec une texture un peu différente, un peu améliorée, je le prends direct, hein, parce que j'aime beaucoup. Voilà, et vous voyez les ridelles que vous rajoutez. Hop. Et ça, donc c'est transport, hein, ça transporte à peu près tout, il me semble, du grain, du fumier. Donc ça vous fait un camion de transport pas cher. Attendez, on va regarder à combien il coûte. Allez, on va regarder. Je vais vous dire combien ça coûte ce camion. Il est dans divers, si je me trompe pas, celui-là. Non, il n'est pas dans divers. C'est jamais à peu près où ils sont, donc il doit être dans les camions. Hein. Le ZIL 130, hein. Voilà, ça coûte 15 000 et vous voyez, ça transporte à peu près tout, enfin pas mal de choses en tout cas. Donc, avec une capacité de 8 500 à 12 000 selon que vous mettez les ridelles ou pas, je pense. Donc, celui-là, c'est un mode que je vous conseille. Alors, est-ce que je suis dans le bon sens là? Où est-ce que je m'en vais là par là? Voilà, c'est un mode que je vous conseille qui est pas mal, qui. Peut-être de nouvelles versions, je ne sais pas. Moi, je regarderai en tout cas parce que je n'avais pas encore testé jusqu'à présent et je teste là pour vous aujourd'hui. Mais c'est un mode que je rajouterai peut-être en partie solo vu le prix qu'il coûte. Pourquoi pas? Ça fera un truc pas cher qui permettra de faire des transports rapides avec un mode assez amusant et des rétros fonctionnels. Hein, vous voyez, même fonctionnels quand vous êtes à l'extérieur. Alors, ce qui n'est pas le cas de tous, hein, vous voyez, voilà, celui-là ne l'est pas. Alors que celui-là pourtant est pas mal aussi. Alors il reprend un peu aussi un mode que je vous ai déjà présenté dans la version précédente, hein, avec toujours le système de la grue à l'arrière. C'est un Kamaz, il me semble, ouais, un Kamaz, voilà, un Kamaz. Je ne me souviens pas avoir vu la vue intérieure. Voilà, hein, on a le un drapeau de je ne sais plus quel pays. Hop, le compteur est-il fonctionnel? Le compteur n'est pas fonctionnel, j'allais dire, parce que sinon ça voulait dire que j'étais déjà à 60 km/h. Alors, mais sinon, niveau texture, il est pas mal. Niveau contrôle, avec ses roues assez larges, il est pas mal. Voilà, il se contrôle bien. Hein. Bon, je dis ça et puis je vais foncer dans un véhicule. Non, franchement, il se contrôle plutôt bien. Pas très rapide, vous voyez, hein, mais il peut aller à 93, hein, mais encore une fois, je pense que... il vous faut de la longueur, hein, pour accélérer jusqu'à 93, parce que là je suis à fond sur l'accélérateur et j'avance pas. Hein. Donc pourquoi pas. Hop, voilà. Et après vous avez celui-là. Ça c'est un MA3, je sais pas c'est quoi la marque exactement. C'est du matériel russe ou c'est tout comme. Je sais pas. Russe, voilà. Allez, je l'ai pas inventé, hein. La plaque est russe en tout cas, hein. Donc voilà. Donc c'est un SMI, problème de caméra malheureusement, voilà, vous allez voir. Mais sinon, enfin au niveau texture, le mec s'est éclaté, hein. Moi j'aime bien ces textures, hein. Elles sont recherchées, il y a du beau travail dessus. Niveau vue intérieure, tableau de bord avec les magazines, les pièces, machin et tout, enfin c'est assez amusant, toujours ces petits détails, toujours amusant à retrouver. Compte tour plus compteur kilométrique. Donc là aussi bien y penser. La vue intérieure fonctionne, hein, vous voyez, donc là si vous jouez tout le temps en vue intérieure, ben, c'est un mode qui peut être intéressant. Le seul problème c'est effectivement de passer en vue extérieure. Où là ben, vous avez une caméra qui est un peu bizarre quoi, mais d'ailleurs est-ce que les gyros sont fonctionnels? Je tiens un gyro fonctionnel, les klaxons. Klaxon fonctionnel. Voilà, touche pas à sa petit con encore une fois. Hop! Voilà, un petit coup d'accélérateur pour arrêter le moteur. Alors voilà, donc ça s'est présenté ici. Alors on continue avec le Steyr 4115 Multi. Deux versions, version originale sur ma gauche, version modée sur ma droite. Donc version dont vous pouvez changer la couleur. Les pneus sont un peu plus larges qu'à l'origine, quoique là j'ai aussi un peu plus large qu'à l'origine je pense. Donc qu'est-ce qu'on ajoute sur ce mode? Bah, pas mal de choses, hein, vous voyez, quand je monte dedans il y a pas mal de fonctions. Donc on peut ajouter alors les fenders, c'est-à-dire les garde-boue, vous voyez, hop, on les enlève, on les met. Alors moi j'ai mes phares qui s'allument en même temps parce que ça j'ai qu'un contrôle pour les deux. On peut mettre des chaînes. Alors pourquoi mettre des chaînes? Et ben simplement parce que si vous voulez, vous mettez en fonction forêt. Voilà, donc forêt, on met les chaînes, on enlève les garde-boue par exemple, et voilà, vous avez quelque chose d'assez amusant.
Hop. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? La prise de force avant, enfin le 3 points avant. On peut l'enlever, on peut le remettre. On peut ajouter ou enlever. Ça, c'est pour la fourche avant. Voilà, on peut enlever, on peut remettre. Et après, vous avez le X. Alors, c'est le Stability Mode. Alors, j'ai pas testé en fonction. Alors, quand on roule là, ok, on roule le machin. Bon, c'est normal, hein, je vois pas de différence là pour le moment. Et Stability Mode, est-ce que ça change quelque chose? Alors, le tracteur descend normalement. Alors, attendez, je vais vous le montrer comme ça. Le tracteur descend, enfin, un petit peu. Enfin, disons qu'il change un peu le. Voilà, vous voyez, hop, là, il remonte. Voilà, il descend un tout petit peu. Voilà. Et après, Stability Mode, je sais pas si ça change quelque chose, honnêtement. Pas vraiment testé. Je pense que ça doit changer si vous mettez un engin derrière, bah, comme là, une grue ou quelque chose comme ça, qui fait. J'ai des coups de lag, hein, alors que je suis en solo. Allez comprendre. Hein. Allez comprendre. Voilà, donc hop, c'est fait. Celui-là, je vous l'ai présenté. Ceux qui aiment bien le stair, qui le prennent d'origine, et ben prenez celui-là, hein, il est bien mieux en fait, en réalité. Voilà. Ouais, ça c'est celui-là. Ok, donc ici, je vous ai à peu près tout présenté, je dirais. Il me reste plus qu'à vous présenter ça, vous verrez dans ma partie solo. Qu'est-ce que c'est? C'est une broyeuse avec tapis à l'arrière, à la différence de la broyeuse d'origine qui est avec le tapis sur le côté. Là, vous avez le tapis à l'arrière. On va aller amener ça au bois. Je vais vous montrer ça. Et donc là, ça vous donne une broyeuse beaucoup plus facile à utiliser parce que forcément, bah, le tapis est plus grand, hein, vous pouvez le voir. Alors, j'ai encore des coups de lag par ici. Je nettoie un peu cette carte. À mon avis, ça doit venir de la sauvegarde. Hein. Je suis désolé. Je vois qu'il y a déjà quelque chose là-dedans. C'est pas des copeaux. Hein. Je sais pas. Ah, si, c'est des copeaux parce que j'ai demandé de servir de cette machine pour mettre des copeaux. Alors, est-ce que ça va prendre directement? Parce que quand vous laissez la remorque à l'arrière, souvent ça prend pas. Hein. Je vous le dis. Vous pouvez transporter une remorque, c'est pratique, mais. Alors, pourquoi? Voilà. Non, mais là il y a un problème ou quoi? J'ai pas mon contrôle de d'habitude. Ah bon, je cherche à comprendre. Voilà, donc je vais couper la branche hein, parce que là je veux quand même pas mettre un tronc complet. Alors décidément, il veut pas que je sois à pied, je crois. Si c'est bon, c'est moi ou il a fait réapparaître des branches là. Je vais pas les avoir vu ces branches là. Voilà, il n'y en a plus. Alors, oh. Pas possible ça. Faudra vraiment que je regarde à ça. Donc on va couper comme ça. Hop, il me fait déjà un beau morceau. Mais bon, la broyeuse prend tout, donc de ce côté-là, ce sera pas un souci. Hop, on active. Alors là, je suis sur la sélection de la remorque. Donc ça va pas. Voilà, on met nos stabilisateurs. Voilà, vous avez des stabilisateurs. Vous avez on active le broyeur à bois. On sort la buse. Hop, c'est parti. Alors là, ça va pas prendre, hein, je pense. Hein. Vu que déjà, ça s'est pas tourné vers. Ah bah, il était déjà coupé. Non, c'est le box, c'est le morceau que j'ai coupé, ça. Ok, voilà. Mais vous allez voir, ça prend vraiment beaucoup mieux le bois. Hop, voilà. Ça le prend tout de suite. Vous voyez? Ça le prend tout de suite, ça le coupe en plusieurs parties, en plusieurs fois, comme celle de l'origine. Et là, vous voyez, ça met directement dans la benne qui est derrière. Donc, c'est magnifique. Là, vous pouvez faire vos copeaux tout seul, sans être avoir d'avoir deux tracteurs, etc. Une remorque. Voilà, c'est quand même beaucoup plus pratique. C'est stable. Vous voyez, je bouge là quand même plein dans tous les sens et ça bouge pas. Après, si je reprends, voilà, forcément, si je touche le sol. Hein. Mais même en multi, elle fonctionne bien. En tout cas, je veux beaucoup mieux que. Voilà, hop là. On est fou. On prend un tronc complet. Bon, là, à mon avis, c'est foiré. Hein. Voilà, c'est foiré. C'est pas grave. Allez, on s'embête pas. Voilà. Donc, je vous la conseille, celle-ci, par rapport à celle d'origine. Elle est beaucoup mieux. Ça, c'est sûr. Donc, ça, c'est des choses que j'ai déjà présentées. Et une petite dernière chose.
Qu'est-ce que c'est que cette pince? Vous allez me dire, elle n'est pas à l'endroit. Eh ben, en fait, si, c'est simplement, justement, la pince d'origine, pince à bois d'origine, sauf qu'elle est inversée. Alors, à quoi ça sert? Pas grand-chose, en fait, mais simplement, si vous voulez vous amuser, vous pouvez facilement bloquer un arbre dedans. Hop, bon, là, on va le faire avec un peuplier, hein. À mon avis, ça se fait pas avec un peuplier, normalement. Mais là, on est fou, on se fait avec ça. Voilà. Alors là, c'est fait. Hop, on va monter quand même un peu. Oh là, ben voilà, je suis monté trop haut. Alors, descendre. Hop, comment on fait pour serrer? Hop, voilà, comme ça. Hop, là, on va s'amuser. On va voir ce que ça fait si jamais on a serré l'arbre. Si on le coupe. Alors. Ah bah, il veut pas que je coupe déjà. Ah, ça y est. Hop. Voilà. Ah, bon, forcément, avec un peuplier, hein, il tient pas le choc, hein, notre libère. Mais bon, si vous faites ça avec un petit arbre, ben, ça tient le coup et ça vous permet de le transporter. Voilà, là, ici, j'ai bien bloqué la route. Je suis bien content. Voilà. Et voilà, tu dois t'arrêter, neuneu, parce qu'il y a un arbre sur la route. C'est dommage, hein. Bon, et bien écoutez, voilà, je vous ai à peu près tout présenté, il me semble. Il y a une petite dernière chose que je vais vous présenter, mais il faut que j'arrive à la ferme. Alors, ici, si on est à la ferme. Là, on est à la ferme. Alors, là, on est. Là, on n'est vraiment pas où je voudrais. Là non plus. Là non plus. Ah, on y est, on y est. Alors, on va descendre. Donc, on est passé d'une libère vers une autre libère. Un peu celle-ci, excusez-moi. Voilà. Donc dernière chose à vous présenter, les fans du 2013 la reconnaîtront, mode de Frabelle, le jet de paille. Bah écoutez, alors là je vais me faire huer par tout le monde, je ne l'utilisais pas dans le 2013, hein, donc je vais la tester ici. Je l'avais téléchargé mais je ne l'avais jamais utilisé. Donc ça va être l'occasion. Là, forcément je suis fou. Je vais essayer d'attraper une botte de paille. Bon, si mon jeu veut bien, parce que décidément. Alors, je bug pas comme ça, mais je bug pour étendre. Ok, bon. Je cherche à comprendre. Est-ce que j'arriverai à prendre sans faire tout tomber? Mystère, mystère. Connaissez-vous la tour de Pise? Bon. Allez, on s'en fout, on fait ça à l'arrache. Ah bah voilà. Hop. Eh oui, je suis très doué, comme vous pouvez le voir. Bon, je pense pas que c'était possible de toute façon de prendre la botte du haut sans faire tout tomber, hein. Et j'espère d'ailleurs qu'il va le prendre. Ça c'est bon, mais j'espère qu'il va prendre. Ah non! Ne fais pas ça. Alors. Donc j'espère qu'il prend dans la machine à foin, la broyeuse à paille, il prend les balles rondes, non? Je sais pas. Donc on va voir ça, on va tester. Je l'ai pas testé du tout cette machine, donc j'ai vu qu'il y avait deux petites fonctions dessus, donc il fallait donc baisser, voilà, ouvrir la porte, X et tourner la buse. Voilà. Donc là normalement. Je dirais que là pour moi ça doit être fonctionnel. Après il faut remplir l'équipement. On va remplir. On recule. Hop. Bon, normalement vu la taille de la botte ça doit rentrer dedans. Alors là on voit rien, merci. Hop, voilà, ça rentre pile poil dedans. Voilà. Donc c'est parti. On remonte dedans. Alors, est-ce qu'il faut refermer la porte? Ce serait logique, je dirais. Pourquoi pas? Enfin, je ne sais pas en fait. Je vois que c'est chargé, puisqu'il me met 4000. Mais il me permet pas de broyer. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que je comprends pas? Ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Comme je vous dis, hein, je n'ai pas testé ce mode, hein, donc je ne sais pas s'il y avait quelque chose de particulier à faire. Est-ce qu'il faut lever la pailleuse?
Bon. Bah écoutez. PC pailleuse déchargée. V déchargée? Non. Bah non, forcément. Parce que là, j'ai une autre fonction A déchargée. Ah, voilà. C'est parce qu'en fait, j'étais pas bien placé. Ok, voilà. Et vous avez votre quantité de paille qui descend à côté. Ah voilà, donc ça fonctionne. Et voilà, puis après ça disparaît. Bon. C'est pas mal fait, hein. Moi j'aime bien, mais voilà, je l'avais jamais testé. Et ben voilà, c'est montré. Bah écoutez, ça va être fini pour cette vidéo. Je vous ai à peu près montré tout ce que je voulais vous montrer en termes de mode, nouveau mode. Et puis ben, comme je vous dis, j'ai du retard hein, sur les modes. Donc là, c'est des modes qui sont déjà sortis depuis quelques temps. Donc je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Et puis en tout cas, en ce qui me concerne, eh ben, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!